bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit changement sur cette étagère-là. Parce que la lumière commence à baisser, les journées commencent à être moins longues et je me suis dit que, en fait, il y a cet étage ici qui n'est pas vraiment utilisé au maximum. Et même, je pense que je pourrais monter un petit peu l'étagère du haut ici. Et en bas, voilà, j'ai un étage qui n'est pas vraiment utilisé parce qu'en fait, il y a des pots et du rangement. Et j'ai identifié qu'en fait, mes codex qui sont sur le meuble qu'il y a derrière vous ont vraiment besoin de plus de lumière pour s'épanouir, notamment pendant tout ce qui est automne et hiver. Donc on va faire le changement maintenant. Je vais vous montrer où sont placés les codex actuellement. Et en fait, les codex vont venir se mettre ici. Et ensuite, on va un petit peu réagencer le tout. Donc voilà, c'est parti. On réagence ma plantagère aujourd'hui. Je pense qu'on va d'abord commencer par ranger un petit peu ce qui se passe en dessous. Ici, j'ai des boutures et les caladiums qui sont en train de sécher. Ça, c'est un jeu à banana. Je vais bouger tous les pots qui sont en dessous parce que j'en ai pas besoin. Alors, l'astuce, du coup, c'est quand même d'utiliser ce dernier étage. Le dernier étage, c'est quand même une place où il y a moins de lumière en général. Il fait aussi un peu plus frais. Il faut vraiment tenir compte quand on installe les plantes. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment que je pense à laisser assez d'espace en hauteur parce que j'ai des codex qui sont vraiment très hauts. Et voilà, donc je pense pouvoir réellement baisser cette étagère, mais je vais poser des plantes qui sont en dessous. Et je vais pouvoir éventuellement décaler des plantes qui sont sur le côté ici, là sur mon petit meuble qu'il y a là, de ce côté ici pour pouvoir justement gagner de l'espace. Pour l'instant, je vais réagencer. C'est pas sûr que ça reste fixe comme ça, mais pour l'instant, je vais organiser comme je peux. Parce que le but, c'est vraiment que tous mes codex ils viennent là-haut. Donc les plus petites plantes, je vais les placer de ce côté-là. En dessous. Canon ! Non ? Franchement, il est vraiment très très beau. Hein. Donc toi, tu pourras pas aller de ce côté-là. Tu es trop gros, tu es trop large, tu es trop beau. Ici. C'est ça qui va se passer. Donc ici, on va venir récupérer des petites plantes. Je vais quand même plutôt le laisser par ici, celui-ci. Hop, lui, il est vraiment très gros. Ah ! Ok. Là, on est plutôt sur l'aménagement de cet espace ici, ok. Cet espace-là. Je vais peut-être pouvoir aussi redresser mes boutures avec des tuteurs. Est-ce que je vais chercher un tuteur maintenant? Je vais chercher deux tuteurs même maintenant. Ici, je vais se mettre. Comme ça. Voilà. Et toi, comme ça, les meufs. Faire rouler. On roule, on roule, on roule, on roule. Voilà. Ok. Donc lui, je l'ai relevé. Lui, c'est sûr, il va rester ici, mais c'est lui qui va passer de ce côté. Je vais rebouger encore mon petit ficus. Oui, en passant, je vérifie si les plantes vont bien. Ça va. Vraiment, ce pot n'est pas du tout adapté à ses besoins. Celui-ci, il va falloir hein. Vraiment que je fasse un truc. Hop, on va le mettre par là. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai vraiment deux grosses plantes qui pourraient aller ici. J'ai peur que ce soit pas vraiment adapté. Après, il y a quand même le support sur lequel est le pilier là que je pourrais prendre, en fait, et placer là. Ça arrivera mais plus tard. En attendant, toi, tu vas aller là, c'est sûr. Hop, voilà, attendez. Je vais bouger la voisine là qui prend vraiment toute la place. Ok, pour l'instant. En fait, le truc là, ma problématique, c'est que le miroir ne peut pas vraiment bouger parce qu'il a une taille qui ne peut pas être déplacée. Donc en fait, le seul truc, c'est que ça, je peux éventuellement le baisser de 2. Et ça, je peux le monter. C'est ça l'histoire. Et la taille. Dans l'idée, je voulais peut-être baisser en dessous en fait. Mais si je baisse en dessous, je me vois plus dans le miroir. That is the problème. Le miroir est sale. À noter, le miroir est sale. Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit. On va le voir après. Donc ça, ça doit baisser. Ça, ça doit baisser au moins de 2. De 2, comme ça, il sera. De 1, ça peut être bien. Bon, attendez. Je vais voir la taille du plus gros codex. Comme ça, on pourra être sûr. Donc la taille du plus gros codex, c'est celui-ci, ok. C'est le Dioscorea bubifera. Donc il est assez... En fait, il prend de la place en hauteur, il est comme ça. Ça va être compliqué, hein. C'est pour ça que j'avais pensé à baisser. Ou alors lui, je le mets là.
Oui, je mets par ici. Parce que finalement, cette hauteur-là, pour cette étagère-là, ça va assez plus les poteaux en haut, là. Du coup, ça y est, j'ai choisi, parce qu'en fait, ça prend un peu de temps à réfléchir à où tu vas mettre les plantes concernant, en fonction de la lumière. Et là, je me suis juste dit que du coup, cet étage ici, je vais le relever pour pouvoir placer en fait les codex. Mon bubifera, je l'ai forcément mis en bas parce que c'est pas possible, ça ne rentre pas. Donc celle-ci, voilà, celle-ci, je l'ai mis ici parce qu'en fait, ça ne peut pas tenir en ici, sauf si j'enlève complètement cette étagère. Et je vais pas faire ça parce que j'ai pas envie de le faire. Donc là, je vais juste retirer mes poteaux de là-haut et puis monter l'étagère pour que ça puisse gagner en hauteur et que ça soit plus vers le plafond finalement. Monsieur Potos, bonjour. Bah, on a Monsieur Potos Néon. Un petit peu plus petit parce que né d'une bouture lui aussi. Mais que j'ai plutôt enroulé sur lui-même en fait. Finalement. Du coup, il est un peu plus petit. Du coup, il est un petit peu plus petit en taille, mais il est tout aussi beau. Et là, je vais aller chercher le seul Potos finalement que j'ai acheté et qui a bien bien poussé. Bien poussé. Quand je vous disais que les poteaux c'était vraiment des plantes archi costauds. Voilà. Ce genre de gros bébé. Je pense que je vais en profiter aussi pour le bouturer. Ça ne fera pas de mal. Donc maintenant, je vais juste passer un petit coup de balai sur la dernière étagère et après je vais la bouger. J'aime bien faire ça, ce genre de changement à chaque fois pour l'automne parce que je trouve que ça permet d'aller vérifier les plantes qui sont un petit peu trop hautes, de regarder si tout va bien, de faire un petit coup de ménage. Puis j'imagine que vous commencez à comprendre aussi que je kiffe tout changer dans mon intérieur. Ça permet de renouveler et de pas tourner en rond en fait, ce qui m'arrive souvent, ce ressenti de ne pas bouger en fait. Voilà! Étagère toute propre. Et là, on va passer à... je vais enlever l'étagère, la remonter un petit peu pour pouvoir placer. Je vais juste vérifier que mon Philanthus passe, sinon ça va pas marcher. Donc je parlais de mon Philanthus Mirabilis qui, pour le coup, a une pousse qui est un peu haute pour l'instant. Il y a des feuilles qui sèchent d'ailleurs. Je pense qu'il va falloir que je l'arrose un petit peu plus. Donc je vais monter l'étagère. L'avantage et les inconvénients de ces étagères, c'est qu'en fait il y a des petits bouts en acier qui sont très simples à enlever mais qu'il faut taper un petit peu. Du coup je vais enlever un petit peu tout ce qui craint d'abord dessous, genre mon vase, parce que si je tape et que je le fais tomber, j'aurai un giga seum. Voilà, ici c'est enlevé. Voilà. Aïe. Et voilà, c'est enlevé. Je pense que je vais le lever au moins jusqu'à là. 3. Ah, pas mal, je pense. Est-ce que c'est pas mal, là? Je vais tester avec le Philanthus, et comme ça on pourra voir et valider. Finalement, j'essaye avec mon Dioscorea elephantipes. C'est correct. Je pense que je vais pas... Que pour les poteaux, ça va être vraiment haut pour arroser. Même si, en soi, de toute façon, quand j'arrose, je monte toujours sur le tabouret, donc... Voilà. C'est bon, maintenant je remets les poteaux. Oui, j'en ai profité pour le couper. Comme ça, je vais garder un petit peu des feuilles un peu grosses, comme ça. Voilà. Du coup, ça laisse un peu plus d'espace pour dégouliner ce qu'il est déjà en train de faire. Voilà, pas trop mal comme ça. Et là, je vais pouvoir commencer à mettre les codex. Je pense que le Stéphania,
c'est celui qui a le plus besoin de lumière. Après, je vais placer le Philanthus. Ensuite, on a le Dioscorea. L'autre bébé Dioscorea, mais lui, je vais mettre un peu plus en fond parce qu'il est en dormance à partir de maintenant. Ma petite chauve-souris, qui n'a toujours pas évolué. J'ai juste décalé tout le monde parce que j'ai un petit bébé qui va venir se faxer au milieu. Celui dont je ne connais jamais le nom, mais qui m'a refait des petites feuilles là, qui est bien parti. Pas de fleurs pour l'instant, mais en tout cas, à chaque fois que je le taille, il repart. Donc j'espère qu'il va continuer. Je vais mettre ici. Voilà, la team des codex qui vient d'installer. Ensuite, ici en bas, on a un peu un mélange de différentes variétés qui n'ont pas forcément toutes besoin de beaucoup de lumière. Donc ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours de la déco qu'il va falloir que je déplace. Mon petit chez Flera qui allait vachement mieux et qui était bien là-haut, je pense que je vais juste le descendre d'un étage. Je vais remettre mon chez Flera à... Mon Schlumbergera à l'étage en dessous. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire aussi en bas? Je pense que je vais tout décaler. Ben, mon bégonia revient à sa place parce que j'ai pas vraiment envie de le déplacer. Je vais vous reculer pour que vous voyez un petit peu. De toute façon, je pense que je vous filmerai après le rendu de tout parce que là, je vais encore bouger des trucs. Je suis pas encore certaine que... Mon Alocasia il va rester là parce que je le trouve très très beau et j'ai vraiment envie de le mettre plus en avant. Et c'est possible qu'il pique la place support en fait que possède mon Pilea qui est dehors. Parce que mon Pilea il peut très bien être posé ailleurs. Pour l'instant on va la jouer comme ça, je vais juste déplacer pour que mon Bégonia revienne à sa place parce que j'ai pas envie qu'il soit perturbé. Voilà, je suis un peu en train de réagencer parce que je sais pas trop comment m'en sortir avec autant de plantes sur cet endroit là. Je sais que les codex en haut c'est fait et que ici on va rester sur quelque chose de simple, mais il y a des variétés que j'ai vraiment envie de voir monter pour pouvoir les voir évoluer et des petites choses que je peux repasser à côté parce qu'elles passent en fait, elles rentrent avec les grosses plantes que j'ai. Donc là je réfléchis, ce qui est sûr c'est qu'il y a des plantes que j'ai moins envie de voir que d'autres. J'ai mon anthurium que j'ai remboté, que j'aimerais bien voir plus haut, mais il est un peu gros. Non en fait il va pas passer là. T'es trop gros, frère. T'es trop gros. Voilà, et il me reste quand même le gros bégonia. Finalement, de là à là. Qu'est-ce que c'est de là à là? Pas grand-chose. Parce qu'on va la jouer comme ça. Hein. Voilà. Comme ça, finalement, il est pas si loin de là où est-ce qu'il était. Et limite, je pense même que mon chou mergera, il pourrait très bien aller ici. Petite tine de peau blanc. Toutes les plantes que j'ai enlevées sont maintenant calées sur mon étagère. Je vais pouvoir ranger le reste. Et puis je vais surtout vous refaire un petit... je vais vous refaire un focus sur tout, comme ça vous voyez un petit peu comment j'ai réorganisé. Du coup, on est reparti. Je vous remontre en entier. Ici, on a tous les pothos. Au dernier étage, ils sont vachement plus proches du plafond du coup maintenant. Ensuite à l'étage en dessous, on a tout ce qui est codex avec un mini codex derrière qui est en dormance. Hop. Et ensuite en descendant, on a moi. J'ai fait une petite îlot ici où j'ai des plantes qui vont potentiellement bouger, je pense. On a mon Schlumbergera, mon Begonia lucera. Ensuite ici on a mon Hoya australis, mon Hoya obavata splash, obovata, Anthurium silver blush, Anthurium cristallinium, mon Codex bulbifera. Ici j'ai mon Alocasia pink princess, je sais jamais. Ma grosse bouture de Monstera variegata que je vais garder et que je vais pouvoir amener chez mes parents. Ensuite ici on a un petit ficus caoutchouc qui est avec les darons. On a un humidificateur d'ailleurs ici au milieu, hop, caché au centre. On a mon ficus belize qui n'a jamais vraiment bougé, qui est à sa place. Et ensuite en dessous j'ai remis mon bégonia beefsteak qui est très très bien. J'ai mis mes philodendrons pink princess qui sont juste à côté. Et ici on a une bouture de sansevieria que j'ai mis derrière. Ça, c'est une sténante, même une stromante que j'essaye de sauver, qui essaye de faire sa vie depuis un moment. Et là, on a un philodendron White Princess qui me saoule un petit peu en ce moment. Donc, je le mets en dessous. En soi, il aura beaucoup de lumière aussi. Il n'est pas si loin de l'humidificateur, donc ça ne va pas vraiment le changer de ouf. Mais voilà pour le résultat et le changement de mon étagère pour l'automne.
et du coup surtout pour ce petit coin en fait de plantes que j'ai déplacé et aménagé, comme ça elles vont pouvoir avoir plus de lumière pour cet hiver. C'était surtout pour les bulbes qui ont tendance finalement à avoir un rythme et à continuer de pousser en hiver, alors que en été ils peuvent avoir une petite pause estivale. Et là finalement je trouve qu'ils sont bien partis et que c'est pas trop mal. C'est marrant parce que du coup ça fait, j'ai un grand espace en haut qui est bien vert, bien touffu, un truc un peu plus doux, ici on repart sur un truc assez florissant, et ici c'est un peu, c'est tout emmêlé quoi. Voilà, avec la lumière du soleil qui descend. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je sais que les réagencements ou les choses qui bougent un petit peu dans les intérieurs, ça peut vous intéresser en fonction de la saison. Là, on est sur un réagencement post-automne, juste à la fin de l'été, pour pouvoir permettre notamment à certaines plantes et à mes codex, comme je vous expliquais, de pouvoir continuer leur croissance, alors qu'il y en a qui sont un peu en train de changer de rythme. Eux, ils sont en pleine croissance, ils se lancent même certains maintenant. Donc j'avais envie de réagencer cette étagère, sachant que c'est vraiment un espace que j'aime vraiment modifier régulièrement, et notamment en fonction des saisons. Là en été, c'était vraiment très très bien exposé, il faisait même très chaud de ce côté-là. Du coup, les plantes qui aimaient bien la lumière, c'était vraiment un endroit où je pouvais les stocker, parce qu'il y avait des risques éventuellement d'araignées rouges. Notamment, mon alocasia qui en a eu pas mal à cet endroit-là. Mais pour le coup, ça s'est assez bien passé. Pour mes hoyas, il s'est rien passé du tout, donc tout va bien. Pour l'automne et surtout pour l'hiver, j'ai plutôt choisi de placer des plantes qui avaient vraiment besoin de beaucoup de lumière, parce que derrière vous, en fait, c'est vraiment la fin un petit peu du couloir de lumière, et du coup, il y a moins de dispo à ce niveau-là, et que je sais que certaines plantes peuvent en souffrir. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !